Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter un philodendron érubescence, Birkin variegata, ou alors appelé également White Mesure. Alors c'est la famille des Aracées, donc il est particulièrement joli et lumineux parce qu'il est pratiquement blanc, hein. C'est vraiment très joli. Alors les philodendrons sont originaires des forêts tropicales humides de Colombie. Et celui-ci peut mesurer jusqu'à 1 mètre de haut. Donc ce qui est bien, mais il faudrait qu'il soit à maturité. Alors là, Rémi est en train de filmer de près pour vous faire voir un petit peu le détail de la plante. Je vais attendre qu'il remette la caméra sur son pied et puis il va tout vous expliquer pour le rempotage, l'exposition lumineuse. Et pour tout connaître sur les philodendrons, White Mesure. Alors voilà, une fois la caméra posée, on commence. Bonjour. Alors, tu disais que c'était la variété White Mesure. Oui. Alors là, j'en ai un autre, donc un philodendron de l'espèce érubescence. Oui. Également, mais là qui est vert. On le trouve aussi tout simplement tout vert comme ça. Alors là, c'est vraiment la variété qu'on trouve à l'état naturel dans son pays d'origine. Ça, ce sont quand même des variétés d'origine horticole. Mmh. Si on a ce feuillage panaché comme ça, c'est vraiment par croisement. Dans la nature, on ne trouve pas cette variété comme ça, avec ce feuillage aussi coloré. Elle est pratiquement blanche. Voilà, il y a des jeunes feuilles qui peuvent être vraiment mais très très blanches. Alors, à savoir que ce philodendron, alors même si tous les philodendrons ont l'habitude de pousser comme cela dans les forêts tropicales, comme tu disais, oui. Ce qui veut dire que c'est plutôt en situation mi-ombragée, le fait d'être sous les arbres. Protégé. Ce philo, comme la grande majorité des plantes vertes, en intérieur, on la mettra dans une pièce quand même lumineuse, mais surtout pas de soleil direct. Ça, le soleil direct, on va tout simplement brûler le feuillage, ça ne sera pas bien. Mmh. Alors, quand je dis lumineux, plus la pièce du coup sera lumineuse et plus le feuillage, se colorera. Si la pièce est sombre, la plante se développera, poussera, mais son feuillage aura plutôt tendance à devenir être vert, foncé. En fait. Mmh. Donc là, tu vas nous rempoter. Les philos. Oui, alors. Vous expliquer comment ça se passe. Tu as dit qu'on était le 15 décembre. Non, tu l'as pas dit. Non, j'ai rien dit. Alors, nous sommes le 15 décembre. Alors, comme bien évidemment, c'est pas la meilleure des saisons pour rempoter une plante, puisqu'on va plutôt préférer rempoter sa plante au mois de mars, avril, au printemps, et cela, donc voilà, de préférence au printemps ou l'été. Alors là, par exemple, celles-ci, elles sont dans des pots déjà suffisamment grands. Là, j'ai même pas besoin de la dépoter. On devine bien que son pot est suffisamment grand. Donc là, il n'est vraiment pas nécessaire à rempoter. La racine, le système racinaire ne passe pas de voilà. toute façon. Oui. Par contre, en ce qui concerne celle-ci, alors... Celle-ci, ça, vous la connaissez. Alors, on a fait une vidéo dessus. Alors, vous avez eu l'occasion de voir la présentation d'une plante poussant comme ça dans un pot en fibre de coco. Alors voilà notre philodendron aujourd'hui, qui s'est bien développé, mais qui là, on voit qu'il commence à sentir un petit peu à l'étroit. Ils sont à l'étroit, mais si on veut le garder à l'étroit, on peut le garder comme ça. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il se développe. Oui, tout à fait. Oui, j'aurais pu encore le garder, effectivement, un petit moment. Parce que le pot, il n'a pas bougé. Non. Il est toujours aussi bien. Oui. Seulement, la plante a tendance à vouloir prendre ses aises. Oui. Et on n'a malheureusement pas trouvé la taille supérieure. Voilà, j'aurais souhaité effectivement trouver un pot de fibre de coco plus grand, de manière à la rempoter à nouveau dans un pot en fibre de coco, pour garder toujours ce principe d'entretien, qui me paraissait quand même un moyen très facile pour entretenir. Non, puis c'était joli. Et c'était joli, c'était naturel. Alors du coup, comme je n'ai pas trouvé, et qu'elle a quand même besoin d'être rempotée, on va utiliser. Mais c'est pas grave, hein. Et du coup, elle se sentira aussi bien dans un pot en terre cuite. T'aimes autant, hein. J'aime autant. Je préfère plutôt que le pot plastique. Hein. Voilà. Alors, bien évidemment, le pot est percé. Alors, on va mettre un petit morceau de tesson dans le fond. On va y mettre un petit peu la bille d'argile dans le fond. Là, t'as préféré la bille d'argile. Sinon, on peut mettre de la pouzzolane. On peut mettre de la perlite, de la pouzzolane. On peut y mettre du gravier. Ouais. Voilà. Bah, là, écoute, j'avais de la perlite. La bille d'argile. Là, le terreau, donc c'est un mélange spécial plante verte, plante d'intérieur, qu'on trouve dans toutes les jardineries. Donc, alors, on n'a pas besoin de mettre de,
de terre de bruyère, c'est pas utile non. pour celle-ci. Non. Voilà, alors un petit peu. Alors là, quand je vais la dapoter, on va voir que là, oui. le système racinaire, c'est là qu'on voit qu'il avait vraiment épousé la paroi du pot en fibre de coco, ce qui était génial, parce que ça permettait vraiment que par capillarité, l'humidité qui remontait dans ce cache-pot, eh bien, ma foi, les racines avaient vraiment de quoi se servir en nous. Voilà. Eh bien là, hop. Alors là, le terreau contient quelques billes d'engrais à libération lente. Mmh. Donc ça ne sera pas la peine de l'arroser. De toute façon, on ne met pas d'engrais normalement jusqu'au mois de mars. On ne rajoute pas dans l'eau d'arrosage de l'engrais. Mais là, ça ira un petit peu plus loin puisque les billes d'argile, les billes d'engrais... vont se libérer lentement. Voilà, encore plus lentement. Donc on est tranquille pour un petit bout de temps. Il faudra juste l'arroser à l'eau claire quand elle aura besoin. Ben là, elle va être contente. Hein. Là, elle va être à son aise. Elle va pousser. Il hein. faudra arroser. Donc, je vais chercher. On n'a pas pris la bouteille d'eau. Là, la terre était sèche. Donc, on a vraiment tout intérêt à arroser. Là. Ok, alors là. Je repose la plante sur un lit, et là, en l'occurrence, c'est de la pouzzolane. Ça pourrait être du gravier, ça pourrait être des billes d'argile. Mais c'est vrai que la pouzzolane, l'avantage, c'est que ça ne roule pas. La bille d'argile, ça commence un petit peu à rouler. Les plantes peuvent être un petit peu instables. Là, voilà, ça ne bougera pas. Donc, un petit peu d'eau. Voilà, et j'en profite de mettre un petit peu d'eau dans la soucoupe. Voilà, juste un petit peu. De manière à ce que, par évaporation, la plante puisse disposer un petit peu d'humidité atmosphérique, un petit peu comme si elle était comme ça, dans son pays d'origine. Voilà. Alors, quoi dire d'autre? Alors, les bébêtes qui l'attaquent, a de la cochenille. La cochenille. Ouais, ça, comme sur tous les philodendrons à surveiller. Alors là, la cochenille, on la verra tout simplement collée comme ça sous les feuilles. Donc, de temps en temps, regardez sous les feuilles s'il n'y a pas des petites pustules marron qui s'y collent, voire même de la cochenille farineuse éventuellement. Et puis là, comme la plante, elle n'est quand même pas énorme, c'est facile de s'en débarrasser. Hein, vous voyez une cochenille, vous la grattez, mais après, vous ne vous contentez pas seulement de l'avoir enlevée. Vous passez un petit coton imbibé d'alcool là où était la cochenille. Comme ça, vous êtes sûr que vous allez tuer donc, toutes ces petites bêtes qui restent sur place. Puisque la cochenille, carapace, entre autres, quand vous l'enlevez, la carapace, dessous, c'est des milliers de petites de jeunes larves de cochenilles qui s'y trouvent. Et inévitablement, quand vous allez penser avoir enlevé la cochenille, vous allez forcément y laisser encore quelques jeunes larves de cochenille sur la plante. Et du coup, ça va se développer. Alors du coup, si vous passez un petit peu de coton imbibé d'alcool, là au moins vous êtes sûr d'éliminer ces parasites. Et en tout cas, ça ne fera aucun mal à la plante. Hein. Alors est-ce qu'on trouve des acariens? Alors, pas trop sur cette... Non. C'est vraiment la cochenille qui est la bête à abattre. C'est vraiment la cochenille. Hein. Sa température, entre 15 et 25 degrés. Oui, voilà, c'est ça, c'est cela. Il se peut des fois que la température chute, on a une expérience. Oui. Alors du coup, on avait vu tout à l'heure que... Voilà, c'était sur celle-ci. Oui, là on a effectivement une feuille... on va vous la montrer de plus près. Voilà. Là où on voit vraiment ce que peut donner un feuillage, une plante qui subit le froid, effectivement ça peut provoquer des taches sur son feuillage. Hein. Donc c'est pourquoi il faut quand même la garder au chaud pendant l'hiver. Parce que la température est tombée pendant une nuit à 4 degrés, donc c'est quand même pas rien. Elle n'aime pas. Elle l'a supporté, mais il ne faudrait pas que ça se reproduise trop souvent. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc vous savez tout sur Je crois que là on a dit l'essentiel. En tout cas, c'est vraiment une toute nouvelle variété qui arrive sur le marché depuis pas très longtemps. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. En tous les cas, c'est lumineux et en cette période où le temps est gris, le ciel est bas, et bien d'avoir ça chez soi, ça donne un petit peu de luminosité à la pièce. Oui. Alors tu parlais de la hauteur tout à l'heure, donc de 1 mètre. Ouais. Hein. Voilà, c'est pas un philodendron qui va pousser comme ça sous forme de liane, elle va plutôt avoir tendance à rester aussi trapue comme cela. Ouais. Donc c'est vraiment, ce qui est intéressant. C'est intéressant. Elle n'est pas envahissante comme plante. Hein. Alors celui-ci aussi est joli. Le vert est joli aussi. Hein. C'est pas coloré, mais en tout cas c'est tout aussi résistant. Ça fait vraiment partie des plantes faciles d'entretien en tout cas.
Mais on a quand même plus le coup de cœur pour celle-ci. Oui. Bon. Voilà. À bientôt. À bientôt.